Et salut tout le monde, c'est Overdose, on se retrouve pour un nouvel épisode de Fallout 4, donc pour mon let's play. Et donc on était revenu à Sanctuary, donc on avait fait le Nathan et la coopérative Sunshine. Donc on va se rendre à la coopérative pour aller explorer les environs. Parfait, nous y voilà. Qu'avons-nous autour de nous? Alors par là-bas, une église et là je vois une espèce de... logo de caravane, je sais pas trop que ça peut être d'ailleurs. Voyez, après je suis pas le genre de mec qui spécialement fait attention à tout ce genre de détails un peu futiles, hein, mais bon. Enfin bon, des orties, ok, donc déjà ça j'aime pas. Ah, c'est peut-être ça en fait l'icône, ouais, je sais pas. Qu'est-ce qu'on a par là? Ah, on peut monter. On peut monter, mais ça serait pas par hasard à un coup à se faire péter la gueule. Non? Je ne sais. Oula. Ok, on l'a pas tué d'un coup. Ça commence à être dangereux. Si on commence à plus tuer les mecs en un coup. Quoi? C'est moi où je viens de voir un mec tomber du ciel. Ah, y'a un mec qui est tombé. Ah, y'a un mec qui est tombé du ciel, j'ai pas rêvé. Ah là là, les mecs qui veulent jouer les thugs et tout. Et après, ça tombe du ciel et ça meurt. Et après, ça se dit thug, quoi. Connard. Hey, venez ici. Allez hop, ramène-toi. Bouge-toi. Allez. Arrête de pleurer, tu viens tout de suite, Canigou. Ce chien est abruti. Tantôt il est dans tes pattes, mais tantôt il est nulle part ailleurs. Allez, allez tentative. Oh, hey, on va faire un truc. Hop là, sauvegarde rapide, important. Oh putain, je sens que ça. Je sens que je vais prendre très 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 cher. Ah là là, il m'attendait. C'est fourbe. Bam. Oh, le coup critique. Oh, j'aurais pas aimé. Oh, pourquoi je recherche? Pourquoi je recherche? Je vais me faire maraf. Ouais, je me sens mieux là. Hein. Bah. On va pas se laisser aller. Hop. On va prendre en même temps. Right away. Voilà. Et on va marave tout ça. Ok. Ah, tu la ramènes-moi. Hein. Rah, qu'est-ce que c'est chiant ces culasses là. Trop de balles. Hey! Hey! Salut vous! Hey! Coucou! Bon, ça va être la fête. J'ai l'impression. Par là-bas, je pense pas qu'on trouvera quoi que ce soit. Bon, en même temps, par là non plus. La caravane elle est plutôt par là-bas. Enfin moi ce que j'appelle c'est la caravane mais c'est sans doute pas une caravane. Est-ce qu'il y a du monde par là? Ouh, c'était dangereux de faire ça. Apparemment il n'y a personne. Alors, qu'est-ce que c'est? Ouh, un campement de pierres. Ah, c'est la réserve de je sais pas quoi là. D'accord. Est-ce qu'on l'a d'ici? On l'a d'ici, mais les dégâts sont faibles. Ok, donc nous on est un fou. On va les buter à distance. Mais c'est pas possible ça. Comment je fais pour rater les mecs? Ah mais après c'est vrai qu'il n'y a pas qu'une histoire de portée, il y a aussi une histoire de précision. Bon il y a aussi une histoire de nullité, hein. Là clairement on va pas se cacher que c'est pas que la faute du jeu, hein. Il y a un peu aussi la faute du mec dedans.
Quoique, je me trouve plutôt bon. Ça me donne envie de leur jeter des grenades, tout ça. Trop. Eh, ah d'accord, je me disais aussi, c'est marrant que lui, il soit encore en vie. Mais bon, c'est en même temps, il triche en étant endormi. Quoi? Ah oui, mais c'est vrai que Kanigou, lui, ce gros blaireau, il est resté en bas comme un trou du cul. Hein. Vous voyez, hein. Je viens de voir l'icône de grenade. Je sais pas si c'est tout à fait normal. Mais il me semblait pas que les mecs pouvaient venir. Comment ça, je suis une attaque? Mais pep, on va se détendre, les minots. Est-ce que je meurs en français si je saute de là? Si je peux sauter de là, évidemment. Ah, je suis coincé. Quoi? Je suis coincé. Je suis décoincé. Qui c'est qui m'attaque? Bon, alors là, en bas, pas de soucis. Mais alors là, qui c'est qui m'a fait du mal? Ah, la vache! Oh, waouh! Ça, c'était vénère. Bon, là, je me suis coincé pour de bon. Bon. C'est chouette, tout ça. Bon, je suppose que je vais réussir à faire bugger le jeu. Mais j'ai pas non plus... J'ai pas spécialement envie non plus de gaspiller toutes mes ressources, donc... Oh, j'en ai marre. Je fais que des conneries. Oh là 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 là. Comment je peux faire? Bon, bon, ça, je me laisse tuer. Hein. Ouais. Bon, bah écoutez, je vous propose qu'on se retrouve tout de suite pour arriver au même endroit, sauf qu'on sera pas là-dedans. Hey! On se retrouve pour vous jouer un mauvais tour. Oh la vache. La référence un peu centenaire. Bon, enfin. Bon, voilà, c'était la dernière cartouche pour le dernier mec. Et on peut dire que celle-là, il a senti passer. Oh, coucou, toi. Alors, je suis assez sceptique. Si vous voyez que je repars subitement d'en bas après un montage, c'est simplement que je serai mort. Un petit réacteur à fusion. C'est pas mal, ça. Oh, c'est pas rentré. Alors, oh là, j'ai entendu du bruit comme s'il y avait encore une tourelle. C'est peut-être parce qu'il y a bien une tourelle. Oh, fusil de chasse. Je vais le prendre quand même, on sait jamais qu'il est meilleur dégâts que mon... Que mon fusil actuel. Par contre, j'entends vraiment une tourelle. Mais bouge! Putain. Oh là, oui, il y a une tourelle. Putain. Ouais, on va se jouer un peu lâche, mais voilà, je suis sûr. Pour la dernière cartouche, j'ai pas envie d'utiliser une. Et quoi? Il reste du monde? Comment ça, il reste du monde encore? Je croyais que j'avais tué tout le monde. J'étais presque sûr, hein, j'ai pas vu d'autres mecs. Après, en même temps, hop, le dernier mec que j'ai tué était. Voilà. Il devait être par là. Enfin, c'est pas qu'il devait, c'est... Il était là. Alors, par contre, où j'étais? Où j'étais? Hop, là. Donc là, on a notre trou où j'ai bugué. Et en gros, j'étais avant ça, je crois. Ouais, je crois que j'étais... Ouais, j'étais avant ça. Ouais, carrément même. Ah, donc ça va, ça fait quand même une bonne distance. Pour du headshot, c'est pas trop trop mal, on va dire. Ouais. Bon, trêve de bavardage, il est temps de explorer. Voilà, moi je suis anti-liaison, j'aime pas ça, vous voyez, faire comme tout le monde. C'est pas trop mon style, hein, vous voyez. Mais il va bien falloir que je fasse comme tout le monde. C'était moi. Hé hé hé.
C'est à moi, Vénus. C'est ça que tu voulais dire? Quoi? Un Steam Pack? Tiens, TG. Mange-toi ça. Alors, les jambières dans les ordinaires. Ça, ça m'intéresse pas. Cagoule avec. Ah, c'est vachement laid, quoi. Je vous suggère le pistolet. Et ça. Ça fait un bien fou. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ah oui, mais il y a pas mal de cadavres. What? Nani? Ouais, je préfère, hein, j'ai cru en entendant encore. J'ai tous été défoncé. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, il reste un pépère. Canigou, viens m'aider! Il va m'attaquer! De toute façon, je peux que le laisser venir. Hein. Ok. C'est pas bien grave. Très bien. Oh, parfait, c'est parfait, c'est parfait. Canigou, tu t'arrêtes? Hey. Ah, de pleurer à chaque fois que j'essaie de te filer des trucs, toi. Hop, alors. Équipé. Voilà, notre chien a du skill maintenant. Parfait. Vous voyez la poignée? C'est si vous en avez marre de vos bagages, vous la changez et vous prenez un canigou et ça vous fait un bagage d'enfer. Bon, mis à part les blagues nulles. Je vais aller me cacher très loin. Mais à part les blagues nulles, donc on va aller quand même récupérer ce qu'on avait, ce qu'il y avait sur les gars qu'on a éclaté d'en haut, qui a été à peu près au même endroit. Voilà, donc là, un peu cagoule avec tuyau, mec. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ah ça. Waouh, c'est pas beau. Bah, ah non, c'est mort. Non, pas tout prendre, pas tout. Alors là, moins... Hein, 50, je prends. Alors 0, ça sert à rien. 50, je prends. 0, je prends pas. 99, hein, je prends. Ok. Par contre, c'est... je vois un peu... je vois du steak haché par là, donc hop. Sans doute que... ma victime est quelque part par là. Très bien, il est temps de rentrer dans la réserve. Merde. Je suis planté. Il est temps de rentrer dans la réserve et d'aller faire des provisions. Parce que là, je pense qu'on va avoir un paquet de choses à ramasser. Tantôt en nourriture qu'en matériaux. Voyons voir. Ouais. Bon, rien de spécial. Après... je sais d'avance qu'il y a des ennemis et que c'est sur un long couloir tout ça. Donc on est ébloui. Voilà. Pourquoi ça lag? Ouf, j'ai cru que ça allait me faire rater, quoi. Oh. Ok, c'est impeccable. Ah. Que... Ok, donc là c'est ce qu'on appelle des canettes de combat. Putain de chien! Soul. Vas-y, s'il te plaît, là. Ouais, bon, finalement, pas besoin de dire s'il te plaît. Bon, ça va quand même. Eh, 5 cartouches pour descendre tout le monde. On va dire que c'est pas trop mal. Bon, je vais pas ramasser. Ah, c'est des canettes, ouais. C'est les boîtes de conserve qui sont en acier. Et qui donc ne sont pas forcément utiles. Oh! Ah, c'était un mec légendaire. Ah ouais. Bon. Je l'ai délégendarisé. Voilà. Canette, on prend. D'ailleurs, je suis en train de me dire. Bon, encore une fois, ça sert à rien que je fasse. Les recherches spécifiques de matériaux, puisque je compte toujours pas
me spécialiser dans la construction. Alors, il n'y aurait pas des cartouches par là? Nope. Et pourquoi que c'est fermé? Déverrouiller, mettre. Quand c'est fermé ici? What? Ah merde! Ok. Ok. Bon. Eh ben, je suppose que j'ai pas le choix que d'aller en bas. Bon, on va éteindre la lumière, ça évitera de se faire repérer inutilement. Et on... J'entends des bruits suspects. Qui me plaisent d'ailleurs pas tellement. Y'a quelqu'un ? Non. Doucement. Non, je suis trop... Hé, hey, qui est là ? Hé ? Il se passait quoi là? Qu'est-ce qui vient de se passer? Y'a plus rien, t'en penses quoi? Le chat est vraiment un peu nerveux qu'il disait. Ok, donc les deux sont bien amochés. Je sais pas comment j'ai fait pour avoir. Ok, tu touches pas mon chien. Il est un petit peu relou, mais je l'aime bien dans le fond. Bon. Ensuite. Hop, hop, hop. Ensuite, ensuite. Putain, hey, des verrous partout. Génial. C'est chiant. Oh. Enfin, petite sauvegarde auto. Enfin, une sauvegarde rapide. Parce que ça fait longtemps qu'on n'est pas mort. Et donc, je préfère prévenir que guérir. Alors, déjà avec un mousquet chargé à balles. Alors, cachette de capsule. Ok. Hey. Buffal. Ok. Un petit réacteur à fusion. Ok. Ça, ça. Par ici. Non, 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 je t'ai rien demandé, toi. Toi, le chien qui va se cacher quand il y en a besoin de lui, mais qui par contre, ah, on aimerait se déplacer tranquillement, ah là, t'es dans les pattes, y'a pas de problème, hein. What? Voilà. No problème, quoi. Voilà. Avec cette arme, faut être sûr que, bah, une fois que vous avez niqué vos ennemis, excusez-moi du terme, bah, y'a plus qu'à passer le balai, en fait. Enfin, presque. Bon, évidemment, je dis ça, il s'est pas transformé en poudre. Alors, le prochain, on va le poudrifier. Je sais même pas si je suis sur la bonne route, là. Un peu mal foutu, la carte, quand même, sur ce jeu. Enfin. Qu'est-ce que... What? Arrah ! Encore mort. T'as vraiment vu quelque chose ? Surprenant, non ? Alors, ah la vache, ah ouais, j'ai carrément zappé ça, et donc les grenades elles sont tombées d'où là? Parce que bon, c'est bien beau tout ça, mais c'est des grenades à récupérer, moi je les veux. Bon, apparemment non. Je suis puni. Oh. Allez, et de 1. Ok, vas-y, reviens bugger devant moi, allez, et de 2. Un petit troisième, hein. Vas-y, viens, je suis chaud là, je suis chaud. Ah, je suis vachement chaud là. Ah, je suis chaud, regarde. T'as vu? J'ai côté des bougies. Alors, il fait chaud. Alors, je suis chaud aussi. Petit moment de solitude extrême. Ah, allez. Un petit balai, hein? C'est le balai. Ah là là, qu'est-ce qu'on se fend la gueule, putain. Qu'est-ce qu'on se fend la gueule dès qu'il y a des blagues pas drôles? Ouais. J'espère ne pas avoir de j'aime sur cette vidéo pour une blague aussi nulle que ça. Vous pouvez même mettre un pouce rouge, ça me dérange pas. Bah je déconne, mettez pas de pouce rouge, hein, soyez pas vache. Hein. Vous êtes gentil. Te voilà, cette petite enfoirée. C'est moi l'enfoiré? Vas-y, tire-moi dessus, tire-moi dessus, tire-moi dessus, et brah!
Un petit coffre-fort qui casse. On n'est pas arrivé à cheval. Putain, c'est pas possible ça. Pas trop non plus. Et voilà. Ça y est. Ouais, on trouve des trucs pas trop mal. Ça va. Vas-y, je me méfie, on sait jamais. Qu'il m'ait piégé cette porte aussi. Où c'est que ça nous emmène ça? Oula. On va d'abord découvrir tout ce qu'il y a de ce côté-ci. Alors on vient de là, on est ici. Tout à quoi sur toi, ok. Oh là là, il y a de la peinture à gogo. Oh, c'est bon ça. What? Tout ça? Et y'a rien qui... Oh merde. Et y'a aucune boîte qui est dispo quoi. Ok. Ah, sympa. Putain, la dernière fois j'avais oublié de vider Canigou, tiens. Ok, donc lui aussi est full. Donc il ne peut plus rien masser. Ramasser, pardon, pas masser. Sachant que malheureusement les pots de peinture sont lourds et que si j'en trouve... Bah même... Oh, ça c'est vite, on sent pas un peu les steaks. Après, je crois que j'ai pris des tenues sur moi, donc forcément, ça aide pas. Bon, allez. Opération, nettoyons la salle. C'est vrai que ça reste violent. Hein. Cette arme est magnifique. Elle a un potentiel tellement sous-estimé, enfin que j'ai moi-même sous-estimé d'ailleurs. Et je manquerai pas de vous mettre un petit extrait d'utilisation au maximum parce que franchement. Oh, Red Tourette. Ça aurait été cool si elle avait eu la maladie qu'elle disait n'importe quoi. J'aurais juste bien rigolé. Alors, et sinon, qu'est-ce qu'elle avait sur elle qui était intéressant pour moi? Rien. Rien de chez rien, ça m'intéresse pas tout le reste. Ok, bon. Bah, je pensais qu'on allait galérer un petit peu plus que ça, mais bon, ben... Bah non. Ouais, bon, je tournerai plutôt ailleurs. Pouah, elle essaie de taper le mannequin. Oh, oh là là. Ah, l'enfoiré. Ah, la grille, enculé. C'est pas bien, Canigou. Pas bien. Pas devant tout le monde, putain. C'était pas. Ah ouais, je me disais aussi. Queue de bière, je m'en fous, putain. Moi, déjà, d'ailleurs, les queues de bière, je sais pas si ça vous est déjà arrivé. Moi, j'ai. Sur mon mail, j'ai un billard que j'ai installé, donc je me suis emmerdé. Trouver toutes les boules, machin, le triangle et tout, donc. Tout bien dans la petite salle. J'ai mis le triangle, ensuite j'ai mis la queue de bière, et un jour, je reviens. Plus de queue de billard. J'ai pas été fait voler par un des habitants, je pense. Quelque chose comme ça. Du coup, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, du coup. Mais moi, c'est clair que. Il y en a un qui m'avait carotte. Qui m'avait carotte ma queue de billard. Donc, je sais pas trop à quoi ça a bien pu leur servir, mais bon. Ok, bon, on a terminé la zone. Ok, ok. Nouvelle adore. Donc, à la fameuse église que vous n'avez pas pu voir à cause de la coupure au montage. La coupure de quoi, me demandez pas, je vous dirai pas. Voilà. Mais bon. C'était... Bon, j'aime bien ce petit truc-là. C'est plein de ressources, on trouve des trucs et tout. C'est pas mal. C'est pas mal. Après, il faut pas non plus que j'aille faire trop le fou n'importe où parce que... Parce que j'ai plus beaucoup de place sur moi. Que je vous dise exactement, voilà, 5. C'est génial. Ah, bah attendez, moi je propose qu'on aille liquider ce que je vois là-bas. Je sais pas c'est quoi, mais... Qu'on aille les liquider. Je suppose que c'est des méchants. Bon. Et par conséquent, on va équiper ça. Bon, c'est à la base prévu pour du tir longue distance. Ok.
Qu'est-ce que c'est sur un amas de radioactivité? Oh. Eh ouais, d'accord. Dans ce cas, ce qu'on va faire, c'est mettre ça. On va s'équiper. Non, plutôt ça. Alors, un petit tour rapide. Que dalle. Ok, allez, on rentre. Est-ce qu'il y a du monde? Est-ce qu'il n'y a pas de monde? Je vérifie même pas s'il y a des pièges et tout, quoi. Trop la one again. Oh, mais c'est... Hey. Oh, oh putain. Là, je suis désolé de ce manque de virilité, hein. Je peux vous soigner si vous voulez. Mais pas gratuitement, bien sûr. Eh ben non. Pas de monnaie pour toi. Déjà, tu me dois tout de même la radioactivité que je me tape ici. Putain, ça... Oh, ça augmente, ça augmente, ça augmente. Allez, moi, je te carotte tout. Bah, les steaks. Pas les steaks. Oh là 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 là. Ouais, bah, écoute. Non. On se casse. Pouf. Purée. Tiens. Ah putain, ça continue à m'irradier. Oh, oh, oh. Bon, on va se retrouver tout de suite à Sanctuary. Il va falloir vraiment que je me décontamine du coup. Alors, tout ça pour ça. Pff, ridicule. Dans un premier temps, nous devons... Hop, on en met deux d'un coup parce que quand on n'a pas encore tout à fait les bonnes améliorations, ça fait pas d'un coup. Hey, c'est pas mal. Là, c'est pas mal. Alors, déjà, Canigo, où t'es passé? Hey. Putain, je vais le défoncer. Attendez là. Je vais le défoncer. Ok. Oui, je sais. Je sais. Déjà, le bric-à-brac. Ensuite, alors, le fusil de chasse. Mais le problème, c'est que j'aimerais... J'aimerais d'abord savoir... 30... Donc c'est pas bien grave si jamais je l'envoie dedans. Arme de fortune, donc non. Fusil de pression, donc ça c'est l'équivalent au fusil de chasse, 37. Calibre 308 et là calibre 308. Donc ok, donc on s'en fiche. Mes tenues. Hop, désolé Canigou, du coup. Tant pis pour ta magnifique... ta magnifique armure, mais bon. Ok, bon bah c'est pas trop trop mal, on a récupéré pas mal de choses, de ressources. Des éléments d'ailleurs d'armure, si on le souhaite. On aura fait un petit bout de map quand même. On a... Ouais, bon, ça va être pas mal, je trouve. C'est pas mal du tout. On va faire le point, hop. Ok, donc, malgré tout, ça reste quand même une bonne progression. Donc, à suivre, à mon avis. On descendra en ligne droite. Bon, plutôt comme ça, en fait. Pour y aller. Bon. Ah non 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 non, qu'est-ce que je dis moi? Hop, on va en ira là d'abord. Avant d'aller où qu'on veut qu'aller, on ira d'abord là. Histoire de découvrir Kragaden. Bon bah voilà, écoutez les gens, c'est la fin de cette vidéo sur mon let's play de Fallout. N'hésitez pas donc à partager ma vidéo et à vous abonner, ça me fera vachement plaisir et donc ça m'aidera encore une fois à progresser. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Voilà, salut tout le monde, ciao!